Donc la Sauvegarde du Nord s'est effectivement lancée dans l'expérimentation des social impact bonds, des titres à impact social, notamment sur un enjeu majeur du secteur social qui est la protection de l'enfance, puisque dans ce département du Nord, nous avons un point de plus de taux de placement d'enfants dans nos établissements de protection de l'enfance, et qu'il faut savoir qu'au-delà de la question humaine, puisque c'est retirer des enfants de leur famille et qu'il est après très compliqué de retisser le lien parental, il y a une question économique, puisqu'un accompagnement en établissement, un placement en établissement coûte 60 000 euros par an par enfant, et qu'un accompagnement éducatif à domicile coûte 3 000 euros. À partir de ce constat, de cette volonté commune de tous les acteurs, d'ailleurs publics comme associatifs, de baisser le taux de placement, l'idée au travers des titres impact social, c'est d'aller chercher des moyens d'investisseurs privés qui sont prêts à nous suivre. On a la BNP, on a la Caisse des dépôts qui nous ont dit banco, pour recruter une équipe commando de travailleurs sociaux pluridisciplinaires pour travailler auprès des familles pour lesquelles on détecte un risque de placement de l'enfant et éviter ainsi le placement. Et dès lors, sur un programme de 3 ans, grâce à un investissement d'à peu près 1 400 000 euros, les économies réalisées par le département du Nord, qui est l'autorité tarificatrice sur ce sujet, les économies réalisées seraient de 4 à 6 millions d'euros sur l'ensemble du programme des 3 ans. Donc on voit que c'est un partenariat gagnant-gagnant, avec des investisseurs qui auront un taux de retour sur investissement de 6% et une collectivité qui va réussir d'une part à faire des économies substantielles, mais aussi à éviter le drame humain qui est la séparation, le retrait de l'enfant vis-à-vis de ses parents.